Environ 500 diplômés sortis tout droit de l'Institut africain de management, IAM, prêts à servir le monde professionnel. Par chez Miami, ils sont à l'honneur à cette cérémonie de graduation 2019. C'est tout un sentiment de joie qui m'anime en ce jour-ci. Franchement, j'ai la joie au cœur. J'émoue beaucoup d'émotions à m'exprimer. Promotion à Salfour, c'est le nom du baptême de ces étudiants en fin de cycle. Détermination, persévérance, la foi et viendra le leadership, conseille le parrain de la promotion. Il faut croire en soi et puis quand on croit en soi, on est encore plus déterminé. Mais la détermination ne peut pas aller au bout si on n'a pas la persévérance. Donc toutes ces valeurs-là doivent être mises ensemble pour pouvoir aider toute personne qui a un objectif ou qui a un projet. Aujourd'hui, c'est des étudiants diplômés qui sortent d'une grande école. Ils sont amenés à être les élites de ce futur Burkina ou de cette future Afrique. Et je crois qu'ils doivent s'armer de certaines valeurs pour pouvoir avancer dans la vie. Cette cérémonie a connu également la présence de plusieurs autorités venues célébrer l'excellence. On m'a parlé de 32 majors, c'est bien ça? Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, en tout cas, proposer à l'IAM d'offrir 32 tablettes aux majors de l'IAM. Apprendre pour entreprendre. À l'IAM, le savoir-être et le savoir-faire se transmettent avec tact et rigueur. IAM, un label de réussite, dira son fondateur. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise a une confiance absolue à la formation de IAM. C'est ce qui explique notre taux d'insertion qui est de plus de 90%. Donc nous n'avons aucun doute là-dessus. Nos étudiants, nos lauréats trouveront du travail. Avec le fonds de 100 millions que nous avons mis à leur disposition, ils pourront relever les défis, monter des entreprises prospères et employer d'autres Burkinabés et d'autres Africains. Cette graduation a constitué une tribune pour reconnaître le mérite et la bravoure de ses enseignants de l'Institut africain de management, IAM.